Notre projet concerne le jardin suspendu, qui est perché au-dessus des anciennes boulangeries militaires et dont le point central est l'agora. Le problème avec cette agora, c'est qu'elle n'est pas couverte et donc, en cas de mauvais temps, on doit toujours tout annuler. Voilà notre projet, c'est de couvrir cette agora. Le jardin suspendu, c'est un jardin qui est géré par des citoyens. Donc on est clairement dans le lien social et la participation. On voudrait que cette agora et la couverture de l'agora récolte l'eau et continue à améliorer écologiquement le jardin suspendu. Et alors aussi, c'est que ce projet de couverture devrait essayer de s'encadrer parfaitement dans le milieu déjà existant, qui est principalement fait de bois. Et donc voilà, nous allons essayer de faire ça au mieux pour que ça s'intègre parfaitement. C'est superbe comme endroit, mais effectivement, quand on est tout content d'avoir prévu quelque chose et que pour une raison involontaire, en dépendant de notre volonté, à savoir la pluie, on ne sait pas le faire, c'est terriblement stressant. Alors que là, on pourrait développer beaucoup plus de choses avec beaucoup plus d'artistes. Et ça, je pense que c'est encore important à mon sens.